Écoutez ça, c'est Jean-Baptiste. Aujourd'hui, je vais vous parler sur DSF. Il y a beaucoup d'SF dans la planète. Beaucoup d'SF. J'aimerais les aider, mais je peux pas. Tout seul, je peux pas. Je peux pas aider les gens. Je peux pas aider les SDF. J'ai essayé à aider les SDF. Je donne de l'argent ce que je peux. Je donne beaucoup d'argent à des SDF. Je donne de la nourriture à des SDF. Je donne à manger. Je donne des vêtements, des couvertures. Mais c'est dur. Tout seul, c'est dur. Je me disais, si j'étais SDF, qu'est-ce que je ferais? Mais j'ai dit, quand on est SDF, on peut pas sortir. Si personne nous aide, on peut pas s'en sortir. J'ai fait ce qu'il faut. J'ai essayé de vivre avec des SDF pendant 24 heures. 24 heures, j'ai vécu avec des SDF et c'était très dur. J'avais pas de manger, j'avais pas d'eau, pas d'argent. Pas de téléphone, pas de papier. J'ai vécu qu'à 24 heures avec des SDF toute la journée. J'ai parlé avec eux, on peut pas bouger, on essaye de faire ce qu'il faut. J'ai aidé beaucoup des SDF, mais certains sont morts. J'ai aidé, mais certains sont morts devant mes pieds. Pour moi, c'est dur voir des SDF qui sont morts. C'est dur voir des SDF dans la rue. À chaque fois, quand je vois des SDF dans la rue, je les aide. Pour moi, ça me touche. Ça me fait mal au cœur. Tout le monde me dit que j'ai un grand cœur. Que j'ai un cœur en or. Certains mes abonnés me disent que j'ai un cœur en or. Je fais ce qu'il faut. J'aide tout le monde. J'aime tout le monde. J'aide les SDF. J'aide les personnes handicapées, même si je suis handicapé, je les aide. J'aime tous les SDF. Pour moi, les SDF, c'est quelqu'un de ma famille. Des gens, c'est des amis. Certains SDF, c'est des amis. Certains SDF, c'est ma famille. Voir des gens dans la rue, pour moi, c'est dur. C'est très très dur. Alors, ce que je fais quand j'ai une petite pièce, 1 euro, 2 euros, je donne des pièces. Des fois, quand j'ai ma carte bleue, je dépense mon argent pour acheter de la nourriture pour eux. Des fois, j'achète une bouteille d'eau, un petit sandwich, du parfum, du déodorant, un croissant, pain au chocolat. Et surtout, je dis un petit mot au SDF. Bon courage. Je fais un bon courage, je vous dis bon courage. Je fais un sourire pour des SDF. Je me mets à genoux et je dis bon courage. Vous pouvez vous en sortir. Tous les SDF qui sont en sortie, certains SDF, ils ont un appartement, ils ont une maison. Certains sont heureux, certains sont tristes. Vous avez un chien qui est dans la rue, alors je l'aide. Quand je vois un SDF qui a un chien, j'achète des croquettes pour son chien. J'achète des croquettes pour son chien. J'achète des croquettes pour son chien. Je dis bonjour au chien, je dis bonjour au SDF. Je fais une petite caresse au chien, une petite caresse au chien. Je donne de l'eau à son chien. Je dis, pourquoi vous êtes dans la rue? Les SDF me disent, c'est mes parents qui m'ont rejeté. J'ai dit aux SDF, comment c'est possible que vos parents peuvent vous rejeter? Le SDF qui me dit, j'ai pas de place. Mes parents n'ont pas de place pour me loger. Certains, ils me disent, j'ai pas de travail. Certains SDF, ils ont des enfants. Ils ont leurs chiens et ils sont dans la rue. Comment c'est possible
qu'un SDF vit dans la rue. Alors ce que je fais, je les aide. J'aide tous les SDF. Pour moi, c'est triste, mais c'est comme ça. J'ai essayé à aider les SDF tranquillement. Tranquillement, je les aide. Mais c'est dur. C'est dur. Quand je vois des SDF dans la rue, je pleure. J'ai les larmes qui coulent. Ça me fait mal au cœur voir des SDF dans la rue. Ça me fait du mal au cœur voir des SDF dans la rue. Des fois, je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Jésus me dit, tu peux faire quelque chose, mais il faut que tu t'en sors. Il faut que tu le fasses. Une fois, dans la rue, pendant l'hiver, j'ai vu un SDF qui avait froid. Il neigeait, il avait froid. Moi, ce que j'ai fait, j'ai donné mon blouson. J'ai enlevé mon blouson dehors et j'ai donné mon blouson. J'ai donné un bonnet, une écharpe et des gants. J'ai dit, écoute, tiens, c'est pour toi. Il y a un SDF qui voulait arrêter sa vie, qui voulait se suicider. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit au SDF, pourquoi tu veux sauter par la fenêtre? Pourquoi tu veux te suicider? Le SDF me dit, pour moi, c'est fini. Je peux plus reculer. Je peux pas m'en sortir. J'ai dit au SDF, si, tu peux t'en sortir. Beaucoup d'élèves sont en sortie grâce à moi. Je les ai aidés. J'ai fait ce qu'il faut. J'ai donné de l'argent. Certains, j'ai donné un boulot. Certains, grâce à moi, je les ai en sortir. Beaucoup d'élèves qui me disent, merci. Merci Jean-Baptiste. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. Moi, je dis, t'inquiète pas. Moi aussi. Pour moi, voir des SDF, c'est dur. C'est dur, ça fait mal au cœur. Si j'étais riche, je donnerais tout mon argent. Tout mon argent. Mais tout mon argent. Des fois, quand je vois des SDF qui meurent, je me disais, j'aimerais bien donner mon cœur. Donner mon cœur à des SDF qui sont morts. Quand il y a des SDF qui sont morts, je fais une petite prière pour eux, une petite prière. Je dis à Jésus, Jésus, mon ami qui est mort, je l'ai aidé. Fais ce qu'il faut pour qu'il revive. Pour moi, les SDF, c'est des amis, c'est mes amis. C'est plus fort que moi, c'est mes amis. Alors, j'ai fait cette vidéo pour vous dire ce que j'ai fait pour des SDF et qu'est-ce que je ressens. Je donne jamais de l'alcool à des SDF. Certains SDF boivent l'alcool, je dis. Non, c'est pas bon pour vous, l'alcool. Ça peut vous tuer. Vous êtes heureux? Vous êtes pas heureux? Qu'est-ce que je peux vous faire? Vous avez besoin de l'aide? Des fois, les élèves me disent, oui, j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin que tu m'aides. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que je peux te faire? Il me dit, aide-moi. Donne-moi une petite pièce. Déjà, un petit mot comme ça, je donne une petite pièce. Même si je peux pas donner une petite pièce, je leur regarde dans les yeux et je dis, bon courage. Et je dis bon courage en faisant un sourire. Si vous n'avez pas de pièces, disiez même au SDF bon courage. Bon courage. Déjà, quand on dit à des SDF bon courage, ça les encourage. Ça les encourage. Une fois, je donnais 20 euros. 20 euros à un SDF.
Certains gens qui ont un grand cœur, ils ont donné 3000 euros pour un SDF. 3000 euros pour un SDF, c'est énorme. Une fois, j'ai dit à un SDF, la plus grosse somme que tu as eue. Combien de personnes a-t-on donné d'argent? Il m'avait dit, bah, la plus grosse somme que j'ai eue, c'est 20 000 euros. 20 000 euros, je pouvais vivre. Je pouvais m'en sortir. Même des fois, à Noël, quand c'est Noël, j'achète des boîtes de chocolat et je donne des boîtes au chocolat à des SDF. Certains, je dis bon courage. Et je dis toujours à des SDF, joyeux Noël. Joyeux Noël. Même si les SDF ne fêtent pas Noël, ils sont tout seuls, ils n'ont pas de parents, pas de famille, pas d'amis, je dis toujours joyeux Noël. Bonne fête. Et toujours les SDF me disent merci, merci, merci. Alors, aidez les SDF. Faisez ce qu'il faut pour les aider. Faisait ce qu'il faut pour les aider. Donnez-lui une petite pièce, un billet de 10 euros, une boîte au chocolat quand c'est Noël, ou même souhaitez un bon courage, ou vous pouvez dire aussi joyeux Noël. Joyeux Noël. Je sais qu'ils sont tristes, je sais qu'ils sont tristes, même moi, je sais que vous pleurez, mes abonnés. Le compagnard, Stéphane, je sais que tu es triste que je dis ça. Mais moi, déjà parler de ça, ça me touche. Ça me touche énormément. Énormément. Alors, merci beaucoup. Juste un petit mot. Aidez les SDF. Aidez-les. Ils ont besoin de vous. Et grâce à vous, les SDF peuvent s'en sortir. Ils peuvent s'en sortir grâce à vous. S'il vous plaît, tout le monde, toute la planète, aidez les SDF. Ils ont besoin de vous, les SDF. Grâce à vous, ils peuvent s'en sortir. Merci. Merci beaucoup. Merci d'écouter le message. Je dis amen à tous les SDF qui sont morts et tous mes amis qui sont SDF qui sont morts. J'ai perdu beaucoup d'amis, beaucoup d'SDF, et certains SDF c'étaient mes amis, et je les ai perdus. Je les ai perdus. Certains, j'ai plus de nouvelles de eux. Merci, merci, merci. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche. Mettez des commentaires. Et partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Merci.